Hop. Voilà. Salut. Salut. Non, je vais retourner. Comment ça va? Eh bien, viens, toi. Ça va? Bon, bah, attends, mais... Du coup, je vais sortir du live. Hein. Oui, vas-y. Sors. Extrais-toi. Retire-toi. Bon, par contre, pour le personnage niveau 30, je vais voir ce que je peux faire, mais je crois que je vais créer un personnage directement niveau 30. Tu peux créer, voilà. Ouais. Parce que... Il y en a qui n'ont pas été capables de le faire. Alors... Il y en a qui sont le même. J'ai des persos qui tournent autour de level 80 pour le reste, donc c'est un peu problématique. Ça serait moins drôle en fait. N'est-ce pas? Bah, disons qu'on aurait su. Là, on est un petit peu en train de rusher l'histoire, histoire de, d'arriver sur le fameux DLC à la con, je sais pas si tu l'as fait, qui fait le lien entre le 2 et le 3. Hâte de voir ça. Non, moi, du coup, pour celui-là, je te suivrai en live parce que je l'ai pas. Le 3, tu l'auras pas? Ah, le DLC? Non, pas le 3, le DLC, ouais, c'est ça. Il est gratuit? Ah, il est gratuit? J'ai regardé la dernière fois, il coûtait 30 balles, je sais pas quoi. Ah non, il est gratuit. Ah, je suis gratuit, vas-y, je fais ça direct. Vous m'entendez? De toute façon, je vais avoir une pause d'ici, je pense, moins d'une demi-heure. D'un petit quart d'heure, donc. En plus, on n'a pas tous la fibre. C'est vrai, moi j'habite dans un petit village de campagne. La Moselle, vous connaissez? Non. Ah bah non, ça fait encore plus mal. Après, moi, il y a des villes autour de chez moi où il y a plus de vaches que d'habitants, donc niveau campagne, je suis même pas mal. Tu résumes bien mon... Ah, il est devenu fou. Augmente notre son. Attends, je regarde, c'est ce que j'ai mis ce clic, je l'ai mute. Je vais le virer. Attends. Je vais le virer, casse-toi. Voilà, et là, est-ce que tu nous entends ou pas? Bah attendez, je vais découvrir quoi. Ah oui, mais si tu décores court, on dira plus haut. En fait, c'est un problème hardware, mais c'est pas grave. Hop là. Et le 3, est-ce que tu l'auras? Ça va. Ah oui, ça c'est une valeur sûre. Hein. Ah bah bien. Et t'as un personnage qui te tente ou... Bah j'ai regardé, comme tu me disais, Amara, et ouais, elle me tente beaucoup, beaucoup. Qui c'est qui parle? Ah bah c'est Koum. Ah bah oui, c'était Exorciste que j'ai... Ah d'accord, c'est toi que j'ai move. Hein? C'était sous l'Exorciste qui nous entendait pas. Oui, non, mais tu m'as absolument pas mouffé. Toi. Ah, si, je t'ai mouffé. Je t'ai mis en dehors et je t'ai ramené, mais t'as pas percuté. Ah, ouais, ouais. Ah, bah non, je me fais gaffe. Le monde se dévoile et les faiblesses m'apparaissent. On travaille. Hop le. Ah, non, c'est pas moi qui l'ai tué. Merde. J'ai cru. Bien sûr, je trouve ça vraiment au bon endroit, moi. Ah, bah du coup, peut-être que je leur move. Oui, après, c'est vrai que c'est mieux si je te remove derrière. Ça marche. Ah, tu nous entends? Ah oui. Là, on t'entend. Et personne ne t'a pris pour quelqu'un d'autre il y a quelques secondes. D'accord. Regarde la rediff. Par contre, Marcus, on sent quand tu lui fais les alt tabs sur le jeu. Hein. Ah, vous vous en rendez compte in game? Ah oui, c'est un coup, t'en fais pas. Quand je vois les mobs qui s'arrêtent debout. Je n'avais pas, je pense c'est pas mal que c'est l'ordi de Marcus qui a décidé. Mon ordi est malin. Le petit Saturne. Oh, il est beau le Saturne. Tu aimes peut-être prendre le sniper corrosif pour l'instant. Question, quand on start avec un perso 30, on a quoi comme arme? Quelque chose de potable quand même. Ah, je voulais aller le finir au cac. Non, attendez, je m'approche. Fais chier. Tant pis. Cassé, tuez-le. Je voulais le finir au cac, tu sais, pour voir le nombre de PV que ça pouvait enlever en ouais. Termes de dégâts, mais j'ai pas pu. La prochaine fois, tu te barreras pas. Ah, soit je suis peut-être obligé de changer l'arme. Ouais, non, je change. Tant pis. Je le garde. Tu me prends pour un monstre. Ah bah, le vend pas au moins, déjà ça, regarde le crois que l'ange est mon esclave. Mais si tu savais ce qu'elle a fait à sa propre mère, je devais replacer les points de compétence. Tu comprends ça? J'avais pas le moment le plus marrant. Gagnant fort. Mais bien sûr. Et toi, seul exorciste, tu le prends le 3? Ne l'écoute pas, chasseur de l'ange. Bah, il est déjà précommandé en super de luxe. C'est bien, c'est. Ça, c'est un homme à vrai, tu vois. Ouais, Je vais vous laisser, on fait une petite pause, 2 secondes, je reviens. Elle a la langue bien pendue, hein, okay. Pas vrai? Ce qui est super avec tout l'iridium que je lui injecte, c'est que je peux la poignarder. Et moi aussi je peux faire des trucs désagréables. Oh, c'est pas si désagréable que ça.
Tu t'es fait traverser par un truc de slag. Oh la merde. C'est pas si désagréable. Ça va. Wow. Une triple sirène. Allez. Allez. Je le voyais à l'arrière au cac. J'ai un build de cac à la base, hein, mais j'ai pas encore le dernier point. Hein. Ah, tu gênes. Oh, tu gênes. Oh, voilà. Tu veux te faire kick. Jack a envoyé tous tu les gênes, tu peux rien. Directement au Heroespace. Regarde en haut à gauche de l'écran, tu remarqueras que t'es remplaçable. Vous avez un nouveau message. Vous avez été kick. Oh merde. Ah merde. Ah, y'a Sanctuary là-bas. Ah ouais. Ah oui. Ouais. Oh là, oh là, oh là. Mais tu gênes. L'heure est arrivée. On va pas rentrer dans maintenant. Le genre de sujet là. On est sur Live Borderlands là. Bah justement, on est un petit peu se trouve à la frontière de cette nouveauté. Combat final, amigo. Si t'as besoin de te préparer, c'est sûr. Maintenant. Ah, le il a dit quoi, le combat final? Les gens ont ouais. Pas grand chose. Voilà qui est intéressant. Ah. Perion a verrouillé l'accès au Heroespace. Effectivement, j'ai trop avancé. Je vais parler à Zed. Brick et moi, on te rejoindra là-bas quand ce sera ouvert. Je viens de faire un petit lance-roquette à 15 000 de dégâts, enfin 15 000 morts. Jusqu'au bout. Qui peu. Pour Sanguine. Ah, alors, c'est moche. Pour Pandore. Bah, c'est moche. Par rapport à celui que j'ai actuellement, c'est mieux. Je me rappelle notre première rencontre. Si lance-roquette est à 15 900, c'est mieux que ce que j'ai, quoi. Chasseur de l'arche, tu lui transmets toute mon affection, ok? Mais bon, après, si tu joues pas commando, tu joues pas lance-roquette. Oh, j'allais zapper. Ellie et moi, on a un petit quelque chose. Ah, mais il donne du stuff en fait. Vous, donc, vous récupérez plein de stuff là. Oh, c'est trop bon ça. Ouais, il faut parler à tout le monde sauf à Claptrap. Quelqu'un joue avec un fusil à pompe? Oui, moi. Ah, bah, j'ai un truc pour toi. Je sais pas qui c'est qui a parlé en fait. C'est Koum, je crois. Ah, c'est ça, c'est Koum. J'ai plus 22% de dégâts de pompe, je crois. Je vais aller voir Moxie à Morlock. Le monopole de Jack sur le marché des armes. Ah oui, non, c'est un mode. Non, je garde mon mode corps à corps. Ouais, moi, ouais, c'est ça, c'est un mode. Dégâts des fusils à pompe, plus 22-4. C'est moi qui allais voir Moxie. Tiens, ça pourrait te servir. Ah, il me l'a. Oh, Jack, il commence sérieusement à me courir, mon chou. Fais-le disparaître et tu pourras boire ici gratuitement jusqu'à la fin de tes jours. Ouh, ah, boire gratuitement jusqu'à la fin de mes jours. Hammershot. Oh là, vieille porte! D'ailleurs, tu sais que si tu lui files plein pour boire, tu peux sortir une arme pas mal. Beau sang sur vos mains, je lui ai donné déjà beaucoup d'argent pour toutes les labdons qu'elle m'a faites, elle m'a encore pas donné d'armes. Et avant que j'oublie, prenez ça. Je peux pas te faire une 800 000 à dépenser. Aileen, Renault! Je crois qu'il faut dépenser une. Bon, tant pis, t'as loupé le sniper de ta vie. Mais j'ai déjà un sniper de ma vie! J'ai déjà un sniper de ma vie! Une des meilleures mitraillettes. J'en ai un, il fait du 13 000 x 5, il me semble, un truc comme ça. Du 1300. 13 000, ça serait beau. 13 000 x 5. Le gars, il. T'as une arme niveau 40-50 là, 13 000 x 5. Ce serait beau ça, j'aimerais bien, mais non. Ça, c'est tapé dans la main. Ouais, je sais. C'est bien, tu la tapes. Tu la tapes. Oh là là, il sait plus parler. T'as un truc dans la bouche quand tu nous parles en fait ou... On a dit Borderlands. Ah putain. Pardon, pardon. Parce que j'ai vu Moxie, ça m'a fait penser à des choses du coup forcément. Ah bah Moxie de toute façon. Ça fait toujours penser à des choses. Eh pourquoi tu me tires dessus toi? Non mais parce que c'est mérité. Il tire son coup. Oh, oh mais quel humour. Oh mon dieu. Putain. Et c'est ainsi que le live fut fini. Alors, il n'a pas fini l'histoire, le pauvre. Sur le papier du Mombek, il y a marqué 2, il n'y en avait qu'un dedans, je suis dessus. Ah ouais, PDM. Fais tout ce qu'il faut pour l'empêcher de réveiller le guerrier. Je suis avec qui dans le véhicule, là? Dois en mourir. Bonne question. T'as pas choisi mon ticket. Ah putain. Ah c'est vrai qu'elle la porte, elle s'ouvre maintenant. Ah mais non, c'est vrai. Non, c'est encore lui. Ensemble jusqu'au bout. Ah non, mais c'est bon, je suis pas avec le niveau 36 qui meurt contre des niveaux 30. Alors ça, c'est pas sympa. Oh pas. Sinon, il y a des tourelles là-haut. Ouais, ah, là, y a un... t'as vu ça? Ah, il est pas là.
Ici, il y a une maman Garogo. Et elle drop un lance-roquette. Ah, t'as fini le jeu combien de fois, toi? Putain, non, mais lol, la seule barrière, je me la prends. J'ai fini le jeu un peu trop de fois. Autant de fois qu'on va finir le 3. Après, sur PC, je l'ai pas tant terminé, parce que sur PC, je l'ai terminé avec ma Maya 80, mon 080 et... Salut, Mad Mask. Et je sais plus. Merde. Qui. Rien de doute. Donc, non, sur PC, je l'ai pas tant terminé. Ah bah, ça va, et toi? Tu l'as quand même bien torché. Bah ouais, parce que je suis au P10 niveau 80 avec mon assassin corps à corps et ma sirène élémentaire. Ça existe pas, ça, assassin corps à corps. J'essaye, Allons-y, clap. T'inquiète, il y a un set pour faire du 2 milliards de dégâts au corps à corps. Non, c'est avec pas 5 jours. 5 jours, c'est pour le pré-téléchargement. C'est 6 jours à attendre. C'est vendredi qu'il arrive. Ouais, oui, c'est vendredi. Enfin. Ouais, vendredi, genre il sera minuit 1 ou 1h du mat et on va tous être sur le jeu, quoi. Ah non, moi je vais attendre à peu près 14h pour streamer dessus. Parce que le matin, je vais aller chercher la grosse boîte collector de la mort qui tue. Ah oui, d'accord. Je vais tourner une vidéo dessus. Discrètement, t'appelles ça discret, toi? Il est toujours discret, Claptrap. C'est un assassin interplanétaire. Je te rappelle. Oh putain. Je suis pas sûr à 200% sur ce qu'il a, mais... Et l'autre qui crie chargement. Je me suis camouflé jusqu'aux commandes. Attends, que j'ouvre cette porte. Une porte? Ah oui, t'es vachement. Par contre, j'aurais su que tu jouais. Enfin, que vous jouiez des sirènes heal, bah, j'aurais pris un sadique, ça aurait été drôle. Non, moi je me sens très bien. Là, c'est un force homme. Ça se passe très très bien, tu sais. Accès refusé. Ouais. Comme à chaque fois. C'est quoi la fin? Oui, c'est défense vidée. T'inquiète pas, bébé, ça arrive à tout le monde. Tu l'auras sur PC, Mad Mask? Non. Enfin. Là, on compte enregistrer pour YouTube. Mais. C'est pas notre première run, le jeu je l'ai roulé dessus sur console avec mon meilleur ami à l'époque quand il est sorti. Là c'est juste pour record. Oui, j'ai des ailes, c'est normal. C'est classe. C'est l'option élémentale, c'est ce que je te disais. En gros, du coup, chaque fois que je fais une phase, Mad Mask, je tape sur tous les gars. C'est quel personnage que tu vas prendre, toi? A chaque fois que je phase, je fais tous les dégâts. A chaque fois que je touche un ennemi, une fois toutes les 20 secondes, je crois, je fais un nuage toxique qui lui fait des dégâts corrosifs. Et à chaque fois qu'un ennemi est mort, j'ai des ailes qui font des dégâts incendiaires et corrosifs dans l'eau. C'est pas pour rien que c'est le meilleur personnage pour faire des dégâts. J'ai sûrement commencé par quoi? Ah, moi aussi. Tu sais que si tu veux venir sur un des streams, ne serait-ce que pour... Bah alors thanks. Je sais pas si la sirène 36, elle est là. J'avoue. La sirène 36. Faute d'être efficace pour faire des dégâts, elle est bien. Et qu'est-ce que... C'est pas elle qui t'a régène, hein. Ah ouais. Bah, ah oui, d'accord. Arrête de bouger que je te dis les... Qu'est-ce que j'allais dire? Je bouge plus. Mais tu peux venir sur le stream pour récupérer du loot ou s'il y a de la place, bah venir jouer avec nous. Je vais te frapper, hein. Dépêche. Faut se frapper. Mais non, mais je te frappe pas, toi. Tu veux vivre un mauvais moment? Non, c'est bon, j'en ai déjà vécu un, ça me va très bien. Ça suffit? Ouais, largement. Non mais arrêtez de me frapper, c'est les ennemis qui tapaient, pas moi. Bah ouais, mais tout le monde a envie de te frapper. Ah bah génial. Ils s'aiment pas, hein, on s'en bat. Petit trollic là. C'est vrai, Marcus, que tu finis très souvent au sol. En même temps, je suis sur leur point de spawn, donc dès qu'ils spawnent, je prends masse dégâts. Puis ils jouent au cac. Bah oui. Bah ouais. Je fais marcher le couteau, moi, monsieur. Évite-les. Évite-les, t'as compris. Ah bah merci de l'avoir tué, le machin. Ouais, mais j'essaye de te dire, mais pas que j'arrive pas de viser parce qu'il y a trop de cartes. Ouais, arras du cul, t'as qu'à mater, hein, putain.
Non mais sinon tout va bien. Là j'ai mes PV qui sont dans le bain. Je vais les calculer, t'as pas bougé. T'as pas bougé, toi tu as un problème de PV. Le 2 déjà mort là, il a craché ses dernières. T'inquiète pas baby, ça arrive à beaucoup de Oui pour le 3, pour le 3. Parce qu'en fait tu sais, tu vas avoir une application Vas-y mes balles qui partent à 15 km de lui. Pour partager le loot, au pire. Donc même si tu joues pas et que tu regardes un stream ou que tu regardes un stream en jouant, quand on va ouvrir certaines boîtes, tu vas pouvoir récupérer du loot dans la boîte via Twitch. Oh, bah attendez, je vais booster un petit peu toute l'équipe. Ah ouais. C'est assez pété, ça permet de récupérer du stuff, même même en faisant autre chose que jouer. On a tous de la régène de PV. On a tous de la régène. Putain, ouais, je régène. On dit merci la sirène. Ah oui, oui, pour le 3, ouais, parce que là, on est full, malheureusement. T'as mis un mode. Escalier, no. En finir. C'est parti. Est-ce que t'as fait la suite de quête? On n'a pas entendu la fin de Claptrap. De Borderlands 3, enfin de Borderlands 2 vers Borderlands 3 aussi. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est long? De quoi? Est-ce que c'est bon? La suite de quête qui fait de Borderlands 2 à Borderlands 3. Ah, le DLC? Ouais. Oui, surtout mes persos. Oh putain. Là. Alors, je l'ai pas fait. J'ai monté les niveaux, j'ai même reçu une arme grâce au, tu sais, au truc qu'ils ont mis là, avec les code shift. Le VIP, ouais. Préparé ouais. Pendant 3. Mais j'ai pas encore touché au DLC. Je pense que je vais le torcher dans la semaine là. Attends, les codes. Comment ça, les codes? De quoi? Il y a des codes VIP pour Borderlands 3? Ouais, mais ça te sert à. J'en ai parlé 3 ou 4 fois sur, sur le Discord, hein. T'es vraiment un mou du gland, hein, putain. Non, on a même parlé en stream. Ah bah non, mais ça j'ai bien compris, hein. J'imagine que t'as compris tout ce que je viens de le dire. On le farm plusieurs fois ou pas le boss final? Non, non, après on fait le contenu du nouveau DLC. Ah, bien mais sûr, je me prends ma grenade. Est-ce que t'es au courant que ce boss, c'est celui qui drop un petit peu le conférence call? Oui, mais là, je fais pas une game pour pouvoir continuer à upper le personnage ensuite. Je fais une game pour rattraper l'histoire. Et je vais me faire déchirer et faire le DLC derrière. Ouais, bon, bah, comme tu veux. Après, Bien sûr, j'en vois. Ah, mais c'est Brick, je suis con. Ah, mais oui, moi aussi, je t'en Je sais pas quel niveau est le DLC, mais je pense que c'est un niveau 30 plus. Le niveau, ouais, je l'ai, je peux le passer. C'est juste qu'avec le conférence call, en fait, c'est plus simple de poutrer la tronche aux ennemis. Avec du cac ou quoi? Qu'est-ce que tu me branles le bord de Kai? Oh. Mais pas moi, parce que je suis sur le terrain. Il est pas dur? Bon bah très bien. Ah bah si il branle, c'est qu'il est dur. Hein. C'est fou. Ne réagissez pas à sa connerie. Moi je snipe de loin. Le sale trou et je tombe dedans. Ah, je suis pas tout seul. Je suis pas tout seul non plus. C'est bon. Ça, moi, c'est... Oh, attention, il en reste un juste là-bas. J'ai pas pu montrer celui-là. Parce qu'il était pas dans ma zone de tir. J'ai eu de la chance, purée, j'ai touché. Bon, Brick. J'ai réussi à réanimer de loin, mais. Oh. Oui, oui, oui. Oui, bah, vu le contexte de quoi il parle, effectivement, je comprends que tu sois. Obligé de préciser, Mad Mask. Non, mais. Des gros pervers. Mais bon, on a l'habitude, tu sais, quoi. Non, j'ai pas dit. J'ai dit gros, surtout. C'est des gros qui étaient le plus méchant. Enfin, pervers, on est tous. Sinon on serait pas sur Twitch. Faut admettre des choses, hein. On est sur Twitch parce qu'on regarde des filles jouer à des jeux vidéo avec des décolletés de la mort. Hein. J'ai jamais regardé un live Twitch avec des filles. Là. En fait, je suis là parce que j'exécre ce comportement en vrai, mais bon, c'est pas grave. Cela dit, je suis sûr que là, actuellement, je suis en train de mourir autant de fois qu'une fille qui joue à un jeu vidéo. Sur Twitch, avec un décolleté. Parce qu'il y a des filles qui jouent aux jeux vidéo qui sont très très fortes, hein, mais... Il y en a certaines avec sur Twitch qui sont pas très fortes. Oh. Non, parce que finalement tu vas la regarder pour le skill, donc elles ont pas besoin d'essayer d'avoir ça. Ce genre de. D'attrait. Enfin bref. Sujet à controverse. Ouais, on tire dessus, comment t'as deviné? Je vais te couper!
Ah là. Ça aurait été cool de me régénérer un petit peu parce que si vous voulez, depuis tout à l'heure je récupère des PV parce que je tue des mobs mais... Ouais, bah, même moi j'arrive merci. Pas à j'ai sniper, ouais. Non parce que vu que je bourrine un petit peu le tas, je fais des dégâts mais je perds des points de vie quoi. Vous avez combien de dégâts sur les deux excellentes questions sur console avec mon ami on a fait une grosse partie des personnages. Enfin, on a fait les 4 personnages principaux. Oh putain Je crois que j'ai dû. On a dû aller jusqu'à la mécromancienne qu'ils appelaient ça Maya. Non, pas, non, c'est pas Maya, comment ça s'appelle? Non, c'est Gage. Gage, c'est ça. C'est celle du DLC, ça? Ouais. Oui, premier DLC. Sur PC, PC, j'en ai fait beaucoup moins, mais on est jusqu'au DLC de la mécromancienne, on a fait tous les personnages. Avec Ultimate Broken. Ouais. Surtout quand tu jouais avec ces deux meilleurs sprays. Donc, soit tu t'améliores le robot comme un chacal, soit tu joues en full cumul anarchie. Alors là. Après sur PC j'y ai pas des masses joué, je crois que j'ai dû faire un ou deux personnages de base et puis. Et encore c'est pas sûr. Après les deux meilleures classes pour tout DPS, tout tuer en 2 secondes, c'est des fourrailleurs et sirène. Tu joues la sirène à la Sandhawk et y a rien dans le jeu qui peut faire autant de dégâts. C'est pourquoi il y en a 3 actuellement. Non, non moi en fait c'est juste parce que je savais pas à quoi ça jouait. Que donc par précaution j'ai pris une sirène. Ça s'appelle l'instinct de survie. Allez, space ton instinct. Allez. Non. Je suis en train de poutrer le super brutal au lance-roquette. Oh j'ai failli tomber dans le trou. Ah ouais alors non si tu vises moi ça va pas le faire là. C'est bon il est mort. Tout va bien. Tout a l'air d'aller bien du moins c'est déjà ça. Oui bah si y a l'air c'est déjà pas mal. J'ai plus de grenade. Putain je fais pas de dégâts. Ah bah j'ai à nouveau des grenades. Je fais absolument pas de dégâts. Et ben. Est-ce que je vais réussir à le raid? Ah, il y a un constructeur là-bas. Mais ouais. Mais attendez, je vais me faire une frappe. Mais je fais pas de dégâts. Non mais en fait... Voilà. Il y a la je fais absolument pas de dégâts. Il fait ultra mal, c'est bon. Je vais peut-être mourir, mais il va mourir avec moi, donc ça va me régénérer. Oh non, il y a quelqu'un d'autre qui l'a tué avant. Moi, c'est bête. D'un seul coup, je fais absolument plus de dégâts. Tu vois, ça c'est le problème que j'ai jamais en solo, parce que vu qu'il y a les dégâts de poison qui pop, ça tue automatiquement les ennemis quand moi je meurs. Ouais, donc dès que tu tombes en... Voilà, je me régène, mais avec... ça m'aiderait pour... La non, mécanique des nouvelles armes... Qu'est-ce que t'appelles la mécanique des nouvelles armes? Des armes vertes? Catégorie verte? Wouh, il y a du légendaire qui tombe. Oh, il y a un légendaire qui a pop, gros. Alors, attends. Ouais, où ça? Bah, dans mes mains. C'est la Shrek Feeder, c'est ça? C'est quoi qui me... Ah mais je croyais que c'était un coéquipier qui me tirait dessus. Ouais, Shreddifier. Ouais, elle est pas mal celle-là. Bon, ça commence à me saouler ce truc, voilà. Je peux pas très jeune, j'ai plus le truc. Non mais t'inquiète.